Permettant à la députée de Richmond. Merci, Madame la Présidente. À 20 ans, vous savez, on est dans la fleur de l'âge, et c'est le cas de Cuisine Amitié, une cuisine collective de la MRC des Sources, qui célèbre cette année son 20e anniversaire. Dans la fleur de l'âge, parce que l'organisme s'épanouit vraiment de plus en plus, d'importants agrandissements ont été effectués l'an dernier. Ça a permis à plusieurs personnes de participer en plus grand nombre, puisque les groupes sont de plus en plus populaires. Dans la fleur de l'âge, parce que dans cette cuisine, on se sent chez nous, on y est bien. Les cuisines collectives, en fait, c'est beaucoup plus que de la cuisine. On y découvre de nouveaux aliments, on y essaie de nouvelles recettes, on apprend à cuisiner. On cuisine aussi en groupe pour économiser. Mais chez Cuisine Amitié, c'est au-delà de ça, on peut fraterniser et on peut créer des liens intergénérationnels également. Alors, Cuisine Amitié, c'est vraiment un incontournable pour lutter contre la pauvreté et pour travailler et permettre l'épanouissement d'une clientèle plus vulnérable. C'est vraiment un apport indéniable à la collectivité. Un merci chaleureux à France, la directrice, ainsi qu'au conseil d'administration, également aux bénévoles et aux partenaires financiers. Et chers amis, la fleur de l'âge vous va à merveille. Alors, bon 20e. Merci, Madame la députée.